Bad Trip, la vidéo, c'est beau! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. Je n'ai pas pu voir Koh-Lanta vendredi dernier, alors je le regarde en replay. Et vu que j'ai une insomnie, bah du coup, je regarde. Maintenant. Alors une insomnie, j'ai dormi un peu, hein, je me suis couché à 3h du mat. Il est 7h, je dois me lever normalement à 10h aujourd'hui. Donc voilà. Donc, Koh-Lanta à 7h du matin, c'est top pour manger. Et vu qu'il est 7h du matin, mon invité dans cette émission de Koh-Lanta sera qu'une murène. Ils prennent en grippe leur campement. Ce scorpion, s'il vous pique, vous parlez allemand tout de suite. Mais c'est bizarre, on voit des souvenirs qu'on n'a jamais vus. Qu'est-ce qui se passe dans ce Koh-Lanta? J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode. Les mecs, ils vivent sur une île où il y a des scorpions et tout, et on les avait pas vus avant. Et là, les autres, leur Varan, alors on en avait entendu parler, mais ils lui ont donné un prénom, Casper le Varan. Et en plus, ils veulent le manger. Ah, il s'appelle pas Casper, il s'appelle Gasper. Mais qui s'appelle Gasper? Gaspard? Casper? Mais pas Gasper. Il est trop tôt. Sur Koh-Lanta, il leur offre soit une pièce de bœuf s'ils gagnent, avec des frites, soit une farandole de chocolat. Alors je suis désolé, mais quand t'as pas bouffé depuis 15 jours, la farandole de chocolat elle fait un peu envie, mais la pièce de bœuf et les frites, je pense que c'est un petit peu plus intéressant au niveau de l'énergie peut-être, je ne sais pas. Quoique le sucre, oui mais tu l'élimines tout de suite le sucre. Non, je reste sur mon avis de tout à l'heure. Vaut mieux la pièce de bœuf. Oh, ils nous refont l'épreuve où on voit tout le temps Théoura dans le générique de Koh-Lanta depuis des siècles qui tape la boule en terre cuite en l'air. Ils la refont. Peut-être qu'ils veulent se refaire un stock d'images pour les prochains génériques de Koh-Lanta. Il a de gros tétons, Laurent, hein. Ah bah Théoura, il rate la coucougnette en terre cuite alors qu'il le faisait dans le générique depuis des siècles. Bon, pour une fois, les jaunes sont plus prêts de gagner. D'un autre côté, les rouges, ils manquent pas de bouffe, donc... Laurent dit à Théoura, énerve-toi, énerve-toi, énerve-toi. C'est vrai que quand on est énervé, on gagne plus, hein. Et voilà, les jaunes, là, ils en chient parce qu'ils ont pas à manger. Du coup, ils font l'épreuve au début, ouais, on est à fond. Et au milieu, leur corps lâche, tandis que les rouges, non, quoi. Donc les rouges rattrapent les jaunes. Florence, elle est en larmes, et t'as Denis Brognard qui fait « Je sens une très très grosse déception. » Oh, j'ai faim. J'ai faim, Denis. On peut plus, Denis, on peut plus. Moundir, cette défaite ne nous touche vraiment pas, car nous sommes que des gens de bonne famille ici. Attends, les gens de bonne famille sont pas touchés par les défaites? Ah putain, c'est l'émission où il y a les ambassadeurs. Il y a un émissaire de chaque équipe qui va les voir, et après les ambassadeurs vont devoir choisir pour éliminer quelqu'un. Ah, c'est bien! Oh, une murène! Il faut pas que ce soit Phil qui soit ambassadeur, parce que lui, vu qu'il aime bien les jaunes, il pourrait mettre un rouge dans la balance, quoi. Moi, j'enverrai Laurence. Je dirais à Laurence, chez les jaunes, je dirais, écoute Laurence, toi qui aimes tellement notre équipe, vas-y, va faire ambassadeur. Surtout qu'elle sert à rien dans les épreuves. Et du coup, autant qu'elle se sacrifie. Moundir, il veut y aller. Mais il va se faire éliminer, ce con. Laurence ne comprend pas les stratégies. Moundir est un joueur de poker, alors c'est le meilleur des émissaires. Il a des gros tétons, Laurent, non? Ah, mais non, je suis con. Moundir, il va... Mais oui, Moundir, il est pas con. Il y va pour discuter avec eux, mais ils envoient Florence en ambassadeur. Et voilà, et Florence, elle est morte. Ah, c'est bien. C'est vraiment des enculés, comme j'imaginais. C'est bien. Philippe. Ouais, c'est une meuf, ouais. Elle peut partir, ouais, très bien. Oui, Christina, je t'en sens très capable de gicler. Ouais. Mais Martin, mais ferme ta gueule, tout le monde. Tu dis une fois, moi, si vous voulez, je me sacrifie. Si vous voulez, je vais mourir à votre place. Tu le dis une fois dans une conversation. Tout le monde s'en souvient, toute leur vie. Martin, t'étais fait pour gagner, quoi. Lorsque je vais arriver, ça va être la couleur de la sanction. Moundir, avant il parlait pas. Voilà,
Maintenant, il parle, on comprend pas. La stratégie de Mundir, c'est de flatter l'ego de Freddy et de lui faire croire que c'est Théoura qui accepte d'être ambassadeur et donc faire que Freddy fasse « ok j'y vais » et l'éliminer face à Florence. C'est une très bonne idée. Mais je suis pas sûr que ça marche. Ils envoient Phil en émissaire parce que Phil, il suit tellement Freddy qu'il ne peut jamais, il ne pourra jamais les trahir. Premier confort de bouffe où les mecs ils ont tellement mangé où ils s'en battent un peu les couilles, ils mangent un steak quoi. Tranquille. C'est pas genre « oh, steak !» C'est des frites, un steak. Oh, Phil qui arrive chez les jaunes déjà avant, il lui serre pas la main. Super. Il a des gros tétons, non ? Mundir, il dit qu'il calcule pour les jaunes, mais il a calculé pour sa propre gueule. Les émissaires peuvent pas être ambassadeurs. Le jour où il est ténèbre. Ah, franchement, les rouges, ils sont trop bien sur leur île. Ils ont des bancs, enfin, on dirait une aire de repos d'autoroute, quoi. Franchement, ils sont trop bien, quoi. C'est vrai qu'une aire de repos d'autoroute, ça fait rêver. Et les mecs sont sur une île déserte, ils ont une petite cabane. Non, le mec, une aire de repos d'autoroute, ça le fait rêver, quoi. Peut-être qu'on pourrait aller à la station-service, pour aller acheter des sandwichs triangles à 8 euros. Ça serait peut-être sympathique, non ? Serpents et des scorpions dans leur île. Et Phil, qu'est-ce que tu penses alors de notre île ? Moi, je pense que c'est une île qui est bien pour se promener en famille le dimanche après-midi, mais sinon, c'est tout. Mais j'emmène pas mes gosses dans un endroit où il y a des scorpions. Bon, par contre, Mundir, il dit qu'il fait du poker, mais enfin, tout le monde voit qu'il cherche à les manipuler, quoi. Par contre, c'est vrai que Phil, il fait rien sur l'autre île, quoi. Il sert à rien, quoi. Si on me parle, je vais répondre. Phil, il croit que c'est lui qui doit donner les rouges aux jaunes. Mais non, mais Phil, il se fait manipuler, mais direct. Hey, si tu veux me poser des questions, vas-y, pose-moi des questions. Ah oui, d'accord. Oh ouais, je vais faire de la stratégie. C'est le mec qui vient dire « pose-moi des questions, nom de Dieu ». Bah, là, Mundir m'a fait rire. C'est dur hein, d'aller à la boule. Hein. Parce que la boule, c'est la boule qu'on tire pour si on est éliminé ou pas de Koh-Lanta. C'est dur d'aller à la boule. Hein. C'est pas Motus, hein, c'est pas en 5 lettres. Hein. Là, bravo. En tout cas, c'est vraiment génial que les gens te fassent croire que leur capitaine aille à la boule pour forcer Freddy à y aller. Mais Mundir, lui, il a tout fait pour être l'émissaire, pour pas aller à la boule, pour en être interdit. Et après, il dit, il a pas le mental d'un aventurier. Mais vas-y, toi, Mundir, tirer des boules. Rien de sexuel. Pourquoi il dit que c'est Florence à Martin ? Martin, il est rouge. Je comprends plus rien. Je me suis fait avoir. On voit Mundir qui rentre sur son île, qui est super heureux, et maintenant je pense qu'on va voir les rouges qui discutent, et je me demande si Martin va pas tout balancer, et Mundir va l'avoir dans les doigts. Martin, qu'est-ce que tu fais ? T'étais mon héros ? Tu es en stratégie avec les jaunes ? Phil, non c'est sûr, ils me l'ont dit, n'importe quoi, mais Phil, mais Martin, il le sait, tu le sais Martin, que c'est pas tes... Il l'a dit, en plus il fait, mais t'es sûr, et si c'est pâté ? Ah, c'est trop zoomé ! Ah mais vraiment, alors c'est... Freddy s'est fait entuber, et Martin dit rien. Ah, j'y crois pas, quoi. C'est ouf. Mundir a réussi. Mais ça se trouve, on voit tout ça, et on stresse, et puis c'est Florence qui va dégager, comme prévu, quoi. Les jaunes, là, prennent aucun risque. Mais elle n'a pas pris l'initiative, c'est toi qui l'as manipulée pour qu'elle fasse des ambassadeurs. Dis pas qu'elle a pris l'initiative, putain. Ah ça y est, Mundir, il commence vraiment à bien gérer, quoi. J'ai jamais fait gaffe, mais l'équipe des jaunes, elle a un nom de slip, non ? Les Tenga. Freddy se rend compte qu'il s'est fait berner. Et je dis berner pour pas dire enculé. Ah là là, Freddy sent vraiment qu'il s'est pris un suppositoire de la taille d'une bite. Réunification, et les jaunes vont heureusement vivre sur l'île où il y a une balançoire et pas des scorpions. La seule personne qui est surprise de voir Théoura sur l'île, c'est Christina, parce que tous les autres étaient au courant. Et non, et Phil. Et Phil, il voit pas qu'il s'est fait entuber. Il rit, il dit bonjour à Mundir. Ah, Phil, le meilleur des émissaires. Phil, à mon avis, ils avaient mis une petite stratégie en place. Freddy, il dit qu'il est content de protéger les rouges, et les rouges, ils l'ont entubé. Il n'y a que Christina et Phil qui étaient de son côté. Tout le monde s'est fait baiser. Florence et Freddy.
Les deux F. Friendfuck. Ah, les bâtards, ils ont coupé au montage le tirage au sort. Ils reviennent sur l'île, on sait pas qui a tiré la boule. Ouh, Florence fait la gueule. C'est Florence. Florence fait la gueule. Freddy a envie de sourire. Putain, Freddy, il avait pas envie d'y aller. Maintenant, je vais demander d'ouvrir la main. Ok, c'est bon. C'est Florence qui part, elle s'est fait entuber jusqu'au bout. Et Freddy va tellement sentir de s'être fait enculer qu'il va leur en mettre plein la gueule. Il reste une meuf dans ce Koh-Lanta. Vous savez qui est le grand perdant de ce Koh-Lanta ? Isabelle, qui voulait une alliance de filles. Elle a vraiment perdu. Et elle a perdu son pied aussi. Hashtag la réunification, hashtag chacun pour soi. Freddy, il sent qu'il s'est fait sodomiser. Pourquoi Denis Brogniart, il vient ? J'ai mis un pantalon vert. Venez me rejoindre, j'ai mis un pantalon vert. Oh oui, Denis Brogniart. Sans déconner, c'est vraiment de la torture cette épreuve. Top pour la corde. Après, top pour manger, c'est top pour la corde. Moundir et Freddy, les premiers à perdre. Les premières unités. Oh là là, le fondu où on voit un oiseau dans le ciel et après on voit Christina. Ah, Christina a perdu 23 minutes quand même. Bon, bah alors qui gagne maintenant ? Laurent ? Putain, mais l'eau est vraiment... Vraiment, là, il y a une tempête. Hein. C'est joli, hein, de belles images. On dirait que c'est scénarisé. Ça, la persévérance de Théoura est légendaire. Théoura, premier vainqueur. Mais il va durer combien de temps, ce Koh-Lanta ? J'ai commencé à 7h du mat. Il est 8h30. Et quand mon réveil va sonner, ça va être bon. Hein. Qu'est-ce qui vous permet de battre tous les autres, Théoura ? Si. Et il montre une petite bague que ses enfants lui ont fait, ou je sais pas quoi. Mais t'as Christina qui fait genre, de quoi ? Comment il fait pour nous battre ? Bon, alors maintenant, Théoura ne part pas, donc c'est un jaune qui ne part pas. Mais alors, qui part ? Freddy. Pas beaucoup de stratégie, puisque tout le monde cherche le collier d'immunité. Martin et Laurent marquent Christina à la culotte. C'est un peu chelou, ça, non ? Tout le monde se croise, tout le monde cherche le collier. L'île, elle est vraiment toute petite. Tout le monde est au même endroit en train de chercher le collier. Wouhou ! T'as trouvé quelque chose ? Non, je me disais... Je sens beaucoup moins mes hémorroïdes que d'habitude. Hashtag la blague à Laurent sur Koh-Lanta. Hashtag la blague à Laurent, quoi. Freddy croit quand même qu'il n'y a pas de stratégie. Christina ! Plus de femmes dans Koh-Lanta ! Plus de plan maillot de bain, quoi. 3 Moundir, 3 Christina, mais c'est Christina qui part. Christina. Je suis un peu déçu par Martin, quand même. Voilà, un peu. Même s'il survit, et que voilà, et que c'est le jeu, mais je sais pas. Il y avait un truc de fidélité que j'avais, que je pensais chez les Rouges. Voilà, je voyais que Philippe partir. Bon. La semaine prochaine. En tout cas, j'espère que Freddy va se battre. Voilà. À la semaine prochaine pour un résumé de Koh-Lanta, et j'espère pas entre 7h et 9h du matin. Ciao. Hey. Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.